L'image est incroyable, elle est trop belle. Waouh. Découvre le parcours de prestige. Alors, je me suis connecté, j'ai eu ça, j'ai eu cette image. Waouh. Coucou mes abonnés, ici Léa par son cheval et c'est SO. On se retrouve pour une nouvelle vidéo suite à la mise à jour du 6 novembre 2024 avec... Donc la note de mise à jour nous parle aujourd'hui du 6 novembre 2024. On parle bien sûr de notre superbe garde-robe. Nouvelle version de la garde-robe disponible. Alors là, j'attendais avec impatience cette mise à jour. J'ai tellement hâte de découvrir ce que ça va donner pour ça parce que j'avais fait du tri avant ça. Et je pense que ça va aller... mieux maintenant, grâce à ça j'espère. J'espère que je serai pas déçu par rapport à ça. Je vais voir un petit peu tout ce que ça donne en jeu après, voilà, dans la suite de la vidéo. J'ai tellement hâte. Et on a aussi avec ça le parcours de prestige. Donc encore une fois un tableau pour femmes pour avoir des récompenses. J'adore ce truc comme ça, j'adore. On avait déjà eu un premier parcours au mois d'août. Là c'est le deuxième pour cette année et j'aime trop. J'adore ce style de tableau pour avoir des récompenses gratuites tout en farmant le jeu. Que ce soit de la lumière, faire des courses, voilà, faire toutes sortes d'activités sur le jeu. Voilà, j'adore. Et c'est tout pour cette note de mise à jour. J'espère que tout ça vous plaira. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Commence, découvre le parcours de prestige. Progresse dans le parcours des pionniers pour remporter des vêtements uniques, des pièces de harnachement exceptionnelles pour ton cheval et plus encore. Mais c'est des boucles d'oreilles, ça, c'est incroyable! Oh, la tenue est trop belle, mais waouh! Le tapis, oh my god! Oh, ça, c'est un peu comme avant! Ouais! Oh! Fin 4 décembre. Oh, on a bien un mois et quelques jours pour finir tout ça. Il y a 35 récompenses à obtenir. Oh, trop bien. J'adore ce type de récompenses pour voilà, pour nous farm. À chaque fois les récompenses, c'est-à-dire ce petit ensemble de tableaux qu'on pourrait récupérer des récompenses à chaque fois dans un temps illimité à une date donnée. Moi j'adore, j'aime trop, c'est trop bien. Et moi je pense, vu ma rapidité sur ça, je pense que moi je vais aller rapidement, ça c'est sûr, à avoir toutes les récompenses jusqu'au 35. Franchement ça va être trop bien, trop cool. On a des cœurs, friandises, grand bocal sagesse, pierre précieuse flamboyante, une lumopétale, des bandes, bocal, encore des pierres. Un type qu'on avait, enfin, en fait ça ressemble un peu qu'on avait avant, au premier parcours des pionniers. Mais en fait la tenue elle change. Des bottes. Ah c'est deux boucles d'oreilles. Fer à cheval, j'espère pas que c'est pas des fer à cheval stade 2, parce que moi je les veux pas. Voilà. Ah, ils sont maudits, mais pour moi. Des brides, une selle. Oh, le pantalon. Oh, un cheval avec des collants. Mais il est trop beau, le pantalon. Oh, j'adore. Une larme de druide, waouh. Mais c'est quoi tout ça? Il y a un tapis. Et on finit avec l'ensemble. Une jupe avec un pull. Mais c'est trop beau avec un petit col roulé. Oh là là, j'adore. Donc voilà un petit peu comment se présente le parcours des pionniers. Voilà. Présentation, FAQ, réglage. Waouh. Je suis fan. Ça y est. J'aime trop. Et d'après ce que j'ai vu lors de la note de mise à jour, en fait, pour ceux qui n'ont pas terminé le parcours des pionniers, ils pourront remettre la tenue, mais il faudra attendre le mois de mai pour vous la procurer, parce que ça, c'est bien, ça, pour ceux qui n'ont pas terminé le parcours, qui n'auront pas terminé le parcours des pionniers jusqu'au 4 décembre, parce que ça peut arriver, des gens qui peuvent pas se connecter tous les jours pour farmer. Ça, c'est bien, c'est qu'ils pourront mettre après la tenue à un autre mois pour l'obtenir quand même, malgré que les gens n'auront pas terminé le parcours.
Mais moi, je pense que je peux l'avoir rapidement. Ça, c'est sûr, parce que moi, j'y vais à fond. Donc, j'adore tout ce qui est farm. Donc, voilà. Petite précision par rapport à ça. Et voilà, on a fait un petit peu le tour de ce parcours de pionnier. Voilà. Donc, j'ai hâte de farm tout de suite, là, maintenant, pour avoir tout ça. Toutes ces récompenses gratuites, comme on dit. Et voilà. Waouh. Nous voici dans l'écurie. Ah, par contre, j'ai pas enlevé les citrouilles. Oh, je sais pas si je peux l'enlever, ça, par contre. Ah, mais comme je l'ai acheté, je pense que ça reste, je pense. Faudra que je remets mon écurie en mode Barbie, en mode château, parce que ouais, l'event d'Halloween est terminé pour, voilà, par rapport à cette mise à jour, l'event est fini, voilà. On peut dire au revoir et à l'année prochaine pour l'event d'Halloween 2025. On va dire une page se tourne, hein, j'ai tellement aimé, mais bon, un peu triste qui est parti, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est les mois comme ça, voilà. Voilà, enfin, on est là pour l'inventaire, pour l'armoire, donc c'est parti. Bon, elle a pas changé tant que ça, là, moi, quand on rentre dans l'inventaire, quand on rentre dans l'écurie, autant pour moi, voilà, donc, voyons voir, j'ai tellement peur. C'est quoi ce truc? Waouh! Alors là, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est quoi cette dinguerie? Waouh! Et je suis choquée, ça y est. Oh. Ah, prends, il n'y a que 15. Oh, il y a de la place. Oula, ils ont... Oula là. Bon, ils ont tout mélangé par contre mes habits. Oula! Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec mes habits? Pourquoi il y a des trous partout comme ça? Mais... Mais... Oh, mais c'est quoi ce truc? Ils ont tout mélangé, les habits? Déjà, j'adore la configuration de l'armoire, déjà. C'est déjà assez grand. Et je pense que... Je pense que je ferai une vidéo avec la nouvelle armoire. Comme ça, je peux encore mieux trier mes affaires, je pense, grâce à cette nouveauté. Parce que j'avais fait une vidéo hier pour samedi, qui était encore avec l'ancienne version de l'inventaire. Comme ça, on aura un petit peu un sort de d'avant-d'après pour cet inventaire. Mais voilà, je pense que ça sera une deuxième vidéo pour ma part pour ça, je pense. Après, peut-être fin novembre ou début décembre, on verra. Si j'ai le temps de tourner cette vidéo. Mais oh, c'est trop bien. Mais par contre, ils ont tout mélangé mes habits. J'avais tout rangé, là tout est en bordel. Pourquoi? Ah, ils ont mis, en fait, ils ont enlevé la page 17 et 16, mais ils ont mis jusqu'à 15. Oh, on peut rechercher ici, ça c'est bien. Je pense que tout le monde attendait avec impatience. Oh, il y a même des filtres. Confirmé. Mais c'est trop bien. Et là, on peut se voir à côté, mais j'adore la configuration, vraiment. J'aime trop. J'adore. Équipement, waouh! Pourquoi ils ont tout mélangé comme ça? C'est un peu. Ouais, je comprends pourquoi ils ont fait des trous. Oh, toutes mes. Ouais, et il faudra s'habituer parce que moi je. Ouais. Oh là 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 là. What? Je sais pas si on peut trier par couleur. Oh, ça serait bien si on pourrait faire ça. Mais c'est quoi ça? Il y a plein de trous partout! Oh là là! Mais. Oh. C'est bizarre quand même que ça met comme ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça en fait. Oh, encore tout ça d'espace, mais c'est trop bien! Au moins ils ont un petit peu agrandi l'interface. Oh! Prends les compagnons, ça a pas changé par contre les compagnons. Oh mes chats, j'adore! Tous mes chats du chaudron. Oh, mais j'adore, c'est tellement bien représenté, je trouve. Oh, je suis trop fan, vraiment. Oh, enfin une nouveauté incroyable. Ouais. Et pour les items, c'est pareil. Ah, c'est resté comme ça que en fait, j'avais tout trié avant. C'est pour ça que c'est comme ça, je crois. J'avais tout trié. C'est ça aussi que ça fait un peu... C'est un peu éparpillé, mais bon. Oh, j'adore. C'est sympa. Moi, je pourrais réorganiser tout ça à ma manière. Ça j'aime bien. C'est parfait. Et en fait, ils ont tout mis tout des... Tous des rangs 15 pour toutes les... Oh!
Enfin, avant les compagnons étaient, il y avait pas beaucoup de rangs. Là, ils ont mis tout 15 en rang. Ça, c'est bien ça. Il y avait que 6 ou 8 de rang pour les compagnons étaient. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et là, il y a plus d'espace. Ah, oh, ça, c'est génial. Ça, j'adore. Oh, trop bien. Oh, c'est sympa. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Là, on peut parler. On peut voir le truc du cheval. La fiche du personnage. Ah, pourquoi on prend l'inventaire? Ah, c'est pour jeter. Ok. À la poubelle, si on veut vendre ou pas. Ou jeter s'il y a pas de. Si on peut pas vendre. Voilà. Oh, mais j'aime trop. Là, c'est caméra. Oh, on peut enlever le cheval, mais c'est bien ça. Oh, mais c'est ingénieux. Moi, tu peux faire la tenue pour le cheval et la tenue pour la cavalière. Mais c'est trop stylé. Mais oh là là. Oh, je suis trop fan, ça y est. Oh, et on peut agrandir, dézoomer, agrandir. Oh, j'adore. C'est super. Moi, je pense qu'on va s'habituer à cette nouvelle interface d'inventaire. J'aime trop. Waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 rangs de place. Mais vous imaginez? Je suis heureuse là, c'est trop bien. J'ai encore une fois de la place. Oh oui, on pourra refaire des vidéos achat. On pourra se faire plaisir. Et je pourrais re-ranger tout ça à ma manière. Oh, j'aime trop. Bon, je suis trop satisfaite. J'adore cette mise à jour. Elle est incroyable. Et je pense que tout le monde attendait avec impatience, je suppose, pour ceux qui avaient comme moi beaucoup d'affaires, beaucoup de vêtements. Beaucoup d'accessoires, beaucoup d'équipements, oh là là, pour notre cavalier, notre cheval. Je suis trop ravi. Oh là là, j'aime trop, ça y est, je suis aux anges. Je pense qu'on a fait un peu le tour de cette note de mise à jour, voilà. Donc j'ai pas, attends, il y a une récompense que j'ai pas. Ah, j'ai déjà récupéré les friandises. Je vois si ça marche par rapport. Attends, je vais faire un petit test par rapport au parcours des pionniers. J'ai envie de commencer par la lumière, parce que ça c'est très efficace pour le farm, je pense. Et je pense que grâce à ça, je pense que ça peut aller très rapidement grâce aux farms de lumière à Valédal. Donc moi j'avais fait ça avec l'ancien parcours pour aller très vite. Et c'est ça aussi que j'avais tout récupéré très très vite, vraiment. Au mois d'août, je l'avais fait en 4 jours, donc voilà. Ah, on voit, ah, on a ça, ok. Ah, c'est jaune, mais non, avant c'était violet, c'est jaune. Oh, trop bien. Incroyable. Un conseil, farmer toutes les lumières pour arriver plus vite pour ce parcours des pionniers ou de prestige. Oui. Je vais farm. Je pense que je peux faire en 4-5 jours, je pense. Ouais, ça va aller vite. Trop bien. J'adore ce style comme ça de farm. Vraiment, pour avoir des récompenses, c'est trop bien. Vraiment, trop sympa, et c'est ça. À nous présenter un tableau comme celui-ci et comme on a eu au mois d'août. En fait là ça fait le deuxième tableau de prestige qu'on a pour farm et tout et pour voilà, profiter du jeu tout simplement quoi. Voilà. J'arrive à combien? Oh, je suis à 124 déjà. Waouh. Mis le premier. Oh, je l'ai rêvé là déjà. Ah oui. Ouais, c'est, ouais, grâce au bouton, on peut aussi vite avancer aussi. Oh, c'est trop bien. Et j'ai avoir la deuxième récompense déjà. Ça serait cool. Bon, bah voilà. Ça va être trop trop stylé. Wow. J'adore le bruit que ça fait du tableau. J'aime trop. Les récompenses de ce parcours et des pionniers sont disponibles pour les Star Riders. Ouais. En fait, pour ceux qui sont non-stars, ils peuvent faire comme le parcours, mais ils n'auront pas les récompenses. C'est un peu dommage pour eux, mais bon, il faut être Star Rider pour avoir les récompenses. Petite information aussi importante à dire pour ça, voilà. En fait, nous, on est plus privilégiés les Star Riders parce que là, comme on paye le jeu, c'est normal, c'est tout à fait normal qu'on a des récompenses aussi, voilà. Donc voilà, on a fait un petit peu note de cette note de mise à jour. Je l'adore, j'aime trop. J'attends avec impatience cette note de mise à jour avec l'inventaire. Voilà, et on a eu un parcours de pionniers à côté. Vraiment, que demander de plus pour avoir des récompenses. C'est trop bien, c'est trop génial. Moi, j'adore. N'hésitez pas à donner votre avis de qu'est-ce que vous avez pensé de cette mise à jour. Moi, je suis fan. J'aime trop. Voilà, je suis trop content, trop satisfaite de cette mise à jour. C'est trop bien. Donc, la semaine prochaine. On aura un nouvel ami imposant débarque à Jorvik.
Et je pense que c'est une nouvelle race. C'est une nouvelle race qui va arriver prochainement en jeu. Je vous en dis pas plus. On en saura plus la semaine prochaine, voilà. Mais j'ai tellement hâte aussi. Donc sur ce, moi je vais me poser là, c'est la fin de la vidéo mise à jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ou à vous abonner et aussi à commenter. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos ou de live en ma compagnie. Au revoir, bisous, bye pour de prochaines aventures. Bye bye.